Regarde, elle marche. Tiens-toi prête. Quelque chose? C'est un cul-de-sac. Saute. Sérieux? Ellie. Ok, ok. C'est bon. Tirons-nous d'ici. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris ? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. Ah.
Waouh. Quoi? Rien, c'est juste que... j'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Pourquoi tu me ramènes pas à Marlène? Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Écoute, je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton amie n'avait pas de grandes chances de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en a l'air. Peu importe. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution. Regarde! Des lucioles. Enfin, de vraies lucioles. Ouais, je vois ça. Désolée, je me suis un peu emballée. Je vais monter jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est parti. C'est toi, Bill. Vous vous retrouvez où d'habitude? Hein? Ça dépend. T'es jamais venu ici, hein? Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... non, personnellement, j'étais encore jamais venu. Et cette fumée, tu crois que c'est lui? Y a plutôt intérêt. Bon, on n'a qu'à aller vérifier, alors. Allez, on y va. Par ici. Regarde où tu vas, la chute est raide. Thank you.
Tu te sens bien? J'essaie d'apprendre à siffler. Tu ne sais pas siffler. Est-ce que j'ai l'air de savoir siffler? Par ici. Oh merde. N'approche pas. Oh merde, c'est bloqué de l'autre côté. Allez, fais-moi monter. Non, c'est pas une bonne idée. Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux ouvrir, sinon? Ok. Donne ton pied. Contente-toi d'ouvrir. Rien de plus. Ça marche. Attention. Ok. Ah, voyons. Ok. Tadam. Bien joué. Merci. Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après? Eh ben, après on ira retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère? Surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Ok. Il vit loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture. Hé, hey, regarde! Des nains! Ouais, c'est des nains. J'avais un bouquin avec plein de nains en dessin.
Je les ai toujours trouvés trop mignons. Par contre, j'aime pas les fées. Elles me filent les jetons. Ouais, d'accord. Regardez-moi ça. T'as déjà joué à ça? Non. Mais je connaissais quelqu'un qui était fan de ce jeu. Apparemment, il y a un personnage qui s'appelle Angel Knives qui... C'était quoi déjà? Elle te transperce l'estomac du poing et après elle t'arrache la tête. Ah, j'ai jamais vraiment accroché à ce genre de truc. J'aimerais bien y jouer. Évacuation obligatoire. Évacuer, où ça? À ton avis, la zone de quarantaine. Certains endroits ont eu un peu de temps pour se préparer avant que l'infection leur tombe dessus, mais c'était rare. Oh, ça doit être dur, de devoir tout abandonner derrière soi comme ça. C'est pas ça le plus dur. Des lucioles partout, hein. Ouais, partout. Ils pensaient pouvoir remettre de l'ordre dans le pays. Eh ben, avec un vaccin, ce serait possible. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais, c'est Bill qui a bricolé ça. Quelqu'un d'autre vit ici, à part lui? D'après ce que je sais, il est seul.
c'est triste quand même. Quoi? Toute cette musique qui croupit ici. Il n'y a plus personne pour l'écouter. Je sais pas, c'est tellement dommage. Non, Dieu! Wow. Attends, mais qu'est-ce que c'était, ça? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Il est pas un peu parano, ton pote? Ah, t'imagines pas à quel point. Qui c'est, ce type, au juste? En fait, il nous a aidés à introduire des trucs en ville, disant que il est capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en le cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Et voilà. Cool. Ça alors, Bill s'est tiré à l'arc? Faut croire que oui. Tiens, viens là. On peut se servir de ça pour passer. Donne-le-moi. Je suis assez douée pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Je préfère pas. Tiens. On n'a qu'à se servir de ça. La voie est libre, monte. J'arrive. Bon, écoute. Bill, c'est plutôt le genre de gars instable, tu vois. Alors, une fois là-bas, laisse-moi lui parler. Compris? Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. D'accord. Bill est un type bien, mais il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens, c'est tout.
Tu vois ce fil barbelé? Reste en dessous, ok? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche. T'as entendu? Ouais. Merde, tu vas y aller? Je veux voir ce qu'on peut trouver. Tu trouveras mon cadavre quand je serai morte d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Oh merde! Bordel! Ce truc m'a foutu la trouille de ma vie! Bon, pendant qu'on est là, on devrait fouiller cet endroit. Tu crois qu'ils se sont retrouvés? Comment je pourrais le savoir? En tout cas, j'aimerais bien. Viens, fichons camp d'ici. Regarde ça. Ok, surtout ne t'approche pas. Ok. Oh, merde. Ces trucs sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. Allez. T'éloigne pas. Putain, Bill! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore un des pièges à la con de Bill! Là, le frigo! J'ai l'impression qu'il fait contrepoids! Ok. Coupe la corde pour me faire descendre! Ça marche!
Merde, ils sont là. Coureur!
C'était chaud. Merci d'avoir joué les héros. Ellie. Qu'est-ce que... Joël ! Bill ! Qu'est-ce que vous faites ? Bill ! Détendez-moi ! Tourne-toi et mets-toi à genoux ! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi à genoux ! Fais pas le malin ! Ok, t'énerve pas. Les fées mordent ? Non. Les excroissances ? Non, putain, j'ai rien. Si je vois le moindre tremblement... Arrête, sale petite garce ! T'as fini ? Si j'ai fini ? Vous débarquez chez moi ? Vous déclenchez mes pièges ? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire ? Et c'est qui cette petite peste ? Qu'est-ce qu'elle fout ici ? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes ! J'ai des dettes envers Joël. Non mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague. Joël veut une caisse. Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais ? Hein ? Ben oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que t'y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Non, je vous emmerde, vous m'avez attaché... Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Mais pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile. Tout de suite. Je te remercie. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. C'est vraiment pas un marrant, ton pote. Garde tes distances. Hey, tu sais y jouer ? Ouais. Plutôt mal, mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Hé, hey, Bobby Fischer ! Pas touche à l'échiquier, compris ? Bobby qui ? Rien, laisse tomber. T'as tout ce qu'il te faut ? C'est bon. Viens, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte, allez. Surtout, ne t'éloigne pas. Mais dans quoi tu t'es encore fourré, Bill ? Tu les laissais se débrouiller tout seul là-bas. Tu rigolais pas en parlant de lui. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Vas-y, prends ce que t'as envie. Merci.
Dans quel pétrin tu t'es fourré? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? C'est le gamin. Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais, au moins. Non mais c'est quoi ce type? Alors on va où, Bill? Notre plante. Plutôt un gendarmerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Hein? Tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un coin où je mets jamais les pieds. Ça grouille d'infectés. Donc il nous faut plus d'armes. Il y en a un à l'intérieur. Oh, j'avais prévu de nettoyer ça. Relax, c'est rien. Au fait, je n'ai pas répondu pour Tess. Je croyais que vous étiez assez parapé, les deux. Elle est occupée. C'est ça, occupée. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. Allez, on y va. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures? Ma parole, t'es un petit génie, toi! Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Portail! Infecté! Tiens-toi prêt! Ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend? Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt, ouais, et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill? Joël? Par là. Allez, on monte. J'aurais pu choisir un autre endroit où crêcher. Ces trucs sont horribles, mais au moins ils sont possibles. C'est les gens normaux qui me foutent les jetons. Et bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. Tu crois que cette porte va les retenir? Ils ont pas la clé, moi si. Bon, c'est par où? On y est. C'est au sous-sol. Allez, on descend. Bon, nous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok, j'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal.
Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai un nouveau joujou à te montrer. Voici une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, au juste? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Il y a quelques mois, en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut. Et il a fini par se crasher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout. Joël veut une caisse. Et si elle est bousillée? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. Je te préviens, petite, si t'as piqué un truc. Hey, mec. J'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. Très bien.
Là, ça va le faire. Wow. C'est sympa chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. C'est pas le confessionnal ici, c'est ma chambre. Ok, c'est bon, je touche à rien. Allez, rassemblez vos affaires. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon? On verra bien.